Chers amis, bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous avez passé une bonne journée? Gloire à Dieu. C'est toujours un bonheur de se retrouver dans la maison du Seigneur. D'être ensemble pour pouvoir déjà fraterniser, retrouver les frères, retrouver les sœurs, mais aussi pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur des instructions. Et nous voulons vraiment remercier Dieu de ceux qui nous accordent cette grâce d'être ensemble ici ce soir pour continuer notre démarche, notre cheminement, autour de l'amour véritable. En fait, nous voulons simplement découvrir l'amour véritable que seul Jésus-Christ peut nous accorder. Alors, nous avons cheminé ensemble avec ces différentes présentations sur l'importance de, de la vie familiale, l'importance de la vie à deux, mais surtout sur la manière dont Jésus-Christ voit les choses. Vous comprenez bien, chers amis, que depuis ces quelques jours, nous apportons, nous approchons les choses, mais sous, sous l'angle biblique. Sous le regard divin. Et nous croyons que la Bible représente la parole du Seigneur. Pourquoi les chrétiens doivent faire de leur mieux pour réussir leur mariage Question intéressante. Pourquoi, d'après vous, chers amis, frères et sœurs, les chrétiens doivent-ils faire de leur mieux pour réussir leur mariage Alors, s'il fallait répondre à cette question en quelques mots, je vais dire une chose, on en a dit pendant la semaine, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu est parfait, pas vrai Mais il y a quelqu'un d'autre qui a créé un autre plan. Est-ce que vous vous rappelez qui est cette personne C'est Satan. Et tout ce qu'il veut, c'est de faire la preuve que le plan de Dieu ne marche pas. Quels sont ceux et celles qui devront prouver que le plan de Dieu, ça fonctionne. C'est vous et moi. Si les chrétiens restent accrochés à Jésus-Christ et qu'ils fonctionnent selon le modèle de Jésus, alors nous avons la garantie d'avoir le succès. Jésus-Christ a fait une promesse alors qu'il était sur la terre et qu'il s'apprêtait à partir aux disciples. Il leur disait, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Cela signifie quoi Que alors que nous marchons sur cette terre dans un monde de difficultés, c'est vrai, nous pouvons compter sur Dieu. Et chers amis, même s'il est vrai que la réalité des familles est difficile aujourd'hui et que parfois vivre à deux n'est pas toujours simple, nous pouvons affirmer qu'avec Jésus, ça marche. Je répète pour que vous entendiez bien, avec Jésus ça marche, et quand on marche avec Jésus et qu'on est sous son influence, notre foyer, alors comme on l'a chanté dans, le, dans, dans, dans un instant, on est bien à la maison quand règne l'amour. Point de mot rude et méchant quand règne l'amour. Mais pour pouvoir faire cela, il faut que l'amour soit dans notre cœur. Mais c'est qui, qui nous donne l'amour C'est Jésus-Christ. C'est lui qui, d'ailleurs, il est l'amour. Corinthiens 13 nous dit Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. On en comprend donc que pour que ça marche, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais le chrétien doit pouvoir, dans sa vie, démontrer que ça fonctionne. Alors, les, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ pourront dire Si ça marche pour eux, ça devrait marcher aussi pour nous, et ils vont apprendre avec nous comment ça marche. Deuxième question que je reçois. Elle aussi intéressante. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas pratiquer l'abstinence Intéressant. Est-ce que c'est vrai que les jeunes ne peuvent pas pratiquer l'abstinence Chers amis, vous savez, dans cette question, il y a un élément négatif. Disons que ce n'est pas possible. Avec Dieu, c'est possible. Vous connaissez le texte de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit Merci, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela signifie, chers amis, que même cette, cette, ce défi de pouvoir rester pur pendant qu'on est jeune, c'est possible avec la grâce du Seigneur. Et comme nous l'avons dit pendant la semaine, euh, nous pouvons apprendre à dire non. Maintenant, comprenez une chose, chers amis notre corps fonctionne avec des sens. Et il nous faut apprendre à, à gérer nos sens. On ne va pas s'exposer à des situations qui vont en quelque sorte faire, faire monter, émousser les sens. D'ailleurs, Hélène White, quand vous lisez le livre « Foyer chrétien », recommande, surtout quand on est jeune, d'éviter les situations, elle dirait, situations tendancieuses. Elle dit par exemple, Évitons, quand on est jeune garçon, jeune fille, et quand on est en pleine force de l'âge et que les hormones tournent à plein, d'éviter de se retrouver dans des situations qui soient compromettantes. Le soir, la nuit, seul dans un petit coin avec quelqu'un, on est là et puis on se caresse, on va s'exciter. Elle dit, évitez de vous exposer, de faire monter un petit peu la pression. Et on peut... Faire attention, on peut savoir sur quel chemin on est, sur quel terrain l'on est, parce que tel chemin, on sait où est-ce que ça emmène. Parfois, on dit, mais non, pasteur, c'est juste une petite caresse, ça n'ira pas plus loin. Mais vous savez que la petite caresse emmène une autre caresse, et puis une autre caresse emmène une autre caresse, et puis après, on va faire juste un petit bisou. Juste ça. Et puis le petit bisou va emmener un deuxième, et puis un troisième. Et puis, vous savez, les mains commencent à voyager, les mains baladeuses, comme ça que je les appelle parfois. Et puis on va plus loin. Il faut être vigilant, être prudent. Et un jeune chrétien, un jeune homme chrétien, une jeune femme chrétienne sait se donner des limites. Il sait dire à celui ou à celle qui est à côté de lui, non. Ça, ce n'est pas pour moi. Je veux honorer mon corps. D'ailleurs, le texte, vous le connaissez bien, Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous devons encourager cette démarche et faire en sorte que nos jeunes gens et nos jeunes filles comprennent l'importance de la pureté. Pureté mentale et pureté physique. Puisque vous savez, euh, tout commence par, par l'esprit. Parfois, on n'a pas encore eu le rapport sexuel mais on a déjà commencé à convoiter. Et le texte nous dit bien, quelqu'un qui a convoité quelqu'un, il a déjà commis l'acte avec cette personne. Donc tout commence où ça Dans la pensée. C'est là que ça commence, dans la tête. Et il nous faut demander à Dieu de faire en sorte que nos esprits soient purs, nos pensées soient pures, et il va nous aider à avoir la force de résister et de pratiquer. D'ailleurs, l'apôtre Jean disait dans, dans les épîtres de 1 Jean Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes comment Il n'y a pas de jeunes gens dans la salle Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. On n'a pas des jeunes gens qui n'ont pas de force, qui sont timides, qui qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous savons qui nous sommes. Nous l'avons dit pendant la semaine nous sommes des princes et des princesses. Et un prince du Seigneur a une attitude de prince. Il se comporte avec respect. Il se comporte avec courage parce qu'il est un prince. Une princesse du Seigneur, c'est la même chose. Elle sait se comporter comme il faut. Donc les jeunes gens, jeunes femmes, peuvent être abstinents puisque c'est important. Alors, il y a une question qui suit par rapport à celle-là. Alors, si quelqu'un reste célibataire, est-ce qu'il peut avoir des rapports sexuels D'après vous, chers amis. Quel est le cadre prévu par Dieu pour l'activité sexuelle? C'est le mariage. Alors, je le répète parce que vous savez, vous n'entendrez ceci qu'à l'église. Ailleurs, on vous dira, mais non, faites tes affaires, t'inquiète pas, ce n'est pas, pas interdit. L'activité sexuelle est prévue dans le mariage. Alors, voici une question que je voudrais vous poser, chers amis. Quelles sont les, les fonctions vitales de l'homme? Quelles sont les choses qui sont vitales pour vivre? Il faut boire, il faut manger, et puis dormir. Oui, on ne peut pas rester tout longtemps sans dormir, c'est vrai. Un dernier. Respirer. Est-ce qu'il est possible de vivre jusqu'à sa mort sans avoir de rapport sexuel? Dites-moi. Est-ce que c'est possible? Mes frères et sœurs, oui, c'est possible. Ce n'est pas une fonction vitale. Je le répète parce que vous savez, certaines gens disent Tu seras malade hein? si tu n'as pas de rapport sexuel. Ça va monter dans ta tête. Hein? Seras... Ce n'est pas vrai. On n'est pas malade quand on n'a pas de rapport sexuel. Alors, les gens qui vous disent ça, ça qui est monté en tête, tout, qui est as mal tête, tout, que ça mal dos, on vous dit toutes sortes de choses. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ a passé toute sa vie sur cette terre, il est monté au ciel, il n'a pas eu de rapport sexuel. OK il est possible, chers amis, de pouvoir vivre une vie de célibat heureux et épanoui. On n'a pas à avoir de maux de tête, on n'a pas à avoir de cauchemar parce qu'on n'a pas. Ce n'est pas vrai. Maintenant, quand on est célibataire, on gère sa vie différemment, on a des activités, on est, on est actif, on, on sait gérer son corps puisque les désirs sont là malgré tout, mais. Le Seigneur déclare que l'espace prévu pour l'activité sexuelle, c'est quel espace C'est le mariage. Et c'est ce que Dieu nous a proposé. Et nous voulons croire que le plan de Dieu, c'est le meilleur. Vrai ou faux, frères et sœurs Alors parfois, on a envie de changer le plan du Seigneur, mais son plan est le meilleur. Il faut vraiment accepter et reconnaître ce plan comme étant le plan le meilleur. Alors, une autre question celle-là a trait au divorce. Est-ce que Dieu reconnaît vraiment le divorce. C'est vrai que le divorce est toujours une situation difficile. C'est un déchirement. D'ailleurs, le texte de Malachie chapitre 4 dit que Dieu, il a en horreur le divorce. Il n'aime pas ça. Ce n'était pas le plan. Il avait prévu qu'on se marie et qu'on marche ensemble jusqu'au ciel. Mais cependant, l'Éternel, dans sa miséricorde, reconnaît des situations où... Le divorce, il va dire, est toléré. Prenez ou notez, si vous le voulez, dans votre Bible, un verset que certains connaissent, le, le, le texte tiré de Matthieu au chapitre 19. Matthieu 19. Alors, on pose à Jésus une question. Les disciples lui disent, Seigneur, mais bon, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi, il pose la question, je suis dans Matthieu 19 et au verset 7, pourquoi, lui dit-il, Moïse... A-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier La question qu'il pose. Alors, parce qu'ils étaient interrogés, interloqués par cette réalité, comme nous posons la question ce soir. Et voici la réponse que Jésus va faire, chers amis, par rapport à cette problématique, par rapport à cette question. Nous sommes au verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a... Permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, à l'origine, le divorce ne faisait pas partie du plan de Dieu. Il avait prévu qu'on soit mariés et qu'on marche ensemble jusqu'au retour de Jésus. Maintenant, il, il apporte cette, dire cette clause qui va tolérer. Mais il dit Mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme, ou qui divorce sa femme, ou qui va divorcer sa femme ou son mari, sauf, voici la clause suspensive, comme on dirait en bon français, la clause pour laquelle seulement Jésus-Christ va accepter le, le divorce celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, chers amis, pour répondre à la question de manière claire et précise, oui, Dieu reconnaît le divorce, mais dans des circonstances bien particulières. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse. On a parlé pendant la semaine, vous vous rappelez, du mariage Kleenex. Des gens qui se marient tous les deux ans. Chaque fois qu'ils changent de voiture, ils changent de femme. Ils changent de mari. Parce que voilà, elle n'aime pas celle-là, elle a pris un peu de poids. On s'en débarrasse. Et puis, euh, maintenant que j'habitais à Kourou, je vais à Cayenne, je prends quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui, qui veulent se marier tous les cinq ans ou tous les deux ans. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Dieu veut que nous soyons fidèles. Mais il déclare que c'est à cause de la de votre cœur. Parce qu'en fait, on peut pardonner à quelqu'un. On peut apprendre à se pardonner l'un l'autre. Mais il dit la seule raison qui permettrait de tolérer ou d'excuser, c'est le divorce. Et puis, l'apôtre Paul va, va élargir la pensée quand il va dire plus tard que si jamais quelqu'un accepte Jésus et que son mari, qui est un non-croyant, ne veut pas aller avec elle, ne veut pas cheminer avec elle et qu'il veut se divorcer, eh qu'on le laisse. Voici donc les deux situations que la Bible recommande, soit l'adultère, ou bien soit le cas d'une personne qui veut suivre Jésus, qui veut rester fidèle à la parole du Seigneur, et dont l'époux, l'épouse refuse de marcher avec lui et qui souhaite se divorcer. Dans ces deux cas, eh bien, on le laisse partir. Et on continue à avancer par la grâce du Seigneur. Comprenez, chers amis, mais croyez croyons que le divorce, c'est vraiment quelque chose de, de difficile, quelque chose de pénible, et on doit tout faire pour tenter d'éviter. Je réponds une dernière question, et puis on va échanger. Mais n'oubliez pas ce soir, en sortant, si vous avez d'autres questions, glissez dans la boîte et on fera l'effort de pouvoir apporter d'autres réponses. Alors, je veux m'assurer que j'ai la bonne fiche. Alors, voici une autre question que l'on pose par rapport à, à la sexualité encore. Si la femme, enfin, pourquoi on accuse les femmes Je ne sais pas pourquoi on veut à tout prix accuser les femmes, mais si la femme n'est pas prête pour satisfaire le désir de l'homme, que faut-il faire <laughs> Chers amis, vous savez que ce n'est pas seulement les femmes hein, qui ne sont pas toujours prêtes. Les hommes aussi, parfois, ne hein, sont pas toujours prêts. Vous savez, dans, dans, dans la, la vie à deux... C'est comme une danse. Il faut savoir s'agencer, fonctionner au rythme de, de l'un et de l'autre. Et il y a des gens qui, quand ils mangent, ils mangent avec une grosse assiette. Parce qu'ils ont un gros appétit. Vous connaissez des gens comme ça. Quand ils mangent, euh, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mangez euh, beaucoup ici. Quand vous mangez une assiette de, de quoi, on prend beaucoup. Parce qu'on a un gros appétit. Et puis il y a des gens qui mangent petit ils n'ont pas un gros appétit la sexualité c'est pareil il y en a des gens qui ont un gros appétit ils voudraient avoir des activités sexuelles régulières et puis d'autres qui ont un petit appétit et quand on vit à deux il faut quoi faire il faut apprendre à vivre ensemble on va on va se coordonner par rapport à l'appétit du mari et l'appétit de l'épouse et on, on trouve un compromis pour que nous puissions vivre ensemble donc, ça peut arriver qu'aujourd'hui qu elle n'est pas prête ou qu'il ne soit pas prêt pour des raisons multiples et variées. Mais on apprend à, à, à composer ensemble. Maintenant, l'apôtre Paul donne un conseil qui est intéressant que je voudrais partager avec vous avant d'enchaîner dans la réflexion de ce soir. Prenez vos, vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens, au chapitre, au chapitre 7 et au verset 5. Il y a un danger quand on est marié à refuser systématiquement d'avoir des rapports sexuels. Et voilà ce que l'apôtre nous dit comme conseil. Vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Alors, on peut lire peut-être les versets préliminaires, ça donne une meilleure intelligence du texte. Je lis à partir du verset 3 ou verset 2. Toutefois, pour éviter... L'impudicité, il parle d'impureté ou d'activité sexuelle illicite hors du mariage pour éviter, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc voici le cas. Pour éviter qu'on ait une activité sexuelle un petit peu vagabonde partout par là, il vaut mieux, il dit, avoir son, son mari ou son épouse euh, de la meilleure manière possible. Toutefois, il continue que le mari... Rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc il y, a, il y a une démarche réciproque. Le mari doit pouvoir être disponible pour sa femme et elle, à son tour, doit être disponible pour son mari. La femme, dans ce sens-là, il dit, n'a pas autorité sur son propre corps quand c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc on est, on est en fait, on s'appartient l'un l'autre. Et quand un mari a envie de sa femme, il le lui dit. Et quand une femme a envie de son mari, elle le lui dit. Et vice-versa, et réciproquement. Et il dit, l'apôtre Paul, dans le conseil qui est important par rapport à cette question, Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Et il dit, on est d'accord là-dessus, pour un temps précis, en quelque sorte, afin de vaquer à la prière. Puis, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il vous fait Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, voyez le cadre. comme le conseil est judicieux. Il nous dit mais soyez intelligents. Il y a parfois des moments où on va on va jeûner. Le jeûne, ce n'est pas seulement le manque d'alimentation. On va jeûner, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'alimenter, on ne va pas manger pendant une semaine, pendant un jour, pendant deux jours. Et certaines personnes vont pratiquer aussi le jeûne, même en matière d'activité sexuelle, parce qu'elles veulent passer plus de temps avec Dieu. Mais il dit, ne soyez pas, j'allais dire en quelque sorte, euh, intempérants dans ce domaine-là aussi. Alors on ne dit pas à votre mari, chaque fois qu'il a envie de vous, chérie, pas ce soir, je vais prier. Il vient demain soir, pas enfin, ce soir, je vais prier. Et puis après demain soir, je vais prier. Mais décidément, mais tu ne fais que ça. Il y a un moment, il faut arrêter de prier. Vous comprenez? Donc, c'est important, il dit, de le faire pour un temps, pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Mais permettez que je dise une dernière chose à le sujet, chers amis. Vous savez que parfois, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est qu'il y a un problème. Si votre épouse se refuse, c'est qu'il y a un problème. Et il faut parfois chercher à comprendre quel est le problème. Si votre mari refuse tout le temps, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'a plus envie Pourquoi il n'a plus ce désir qu'on avait quand on est jeune Et quand on va gratter un petit peu, on va se rendre compte que parfois. La personne n'est pas gentille, elle n'est pas agréable, elle ne, elle, ne, elle, ne, elle ne vous respecte pas, il n'y a pas cette même gentillesse d'avant. Donc, on n'a pas envie de pouvoir se donner à quelqu'un qui est désagréable, qui est méprisant, qui vous insulte. Donc, il faut parfois faire attention au cadre, à l'ambiance qu'on va créer pour que nous puissions être heureux et on a envie de se donner le nassoir. Parfois aussi, ça arrive qu'avec la vie, on se laisse aller. On est marié, on était heureux, on est à deux, on a des rapports sexuels fréquents et puis les enfants arrivent et puis le travail et puis et puis on se laisse aller. Pas vrai, frère et sœurs On a pris du poids, le ventre est devenu gros, on ne se soigne plus, on ne se lave plus, on est. C'est pas la même chose, c'est pas le même soin. Le mari sort du travail, il a envie de caresser sa femme, mais il ne s'est pas encore lavé, il ne sent pas bon. Vous comprenez parfois Alors laisse-moi, ne me touche pas. Il vient, laisse-moi, parce que mes chers amis, ça se prépare. C'est comme un repas. Avant de manger, qu'est-ce que vous faites? On se lave les mains. C'est la moindre des choses de pouvoir. On s'assoit, on met un couvert, on, on mange. La sexualité, c'est la même chose. Ça se prépare. On n'arrive pas comme ça. Alors, aux Antilles, on parle, on dit, je ne sais pas si on dit ça en, en Guyane, des gens qui sont grosso modo. Ça se dit. Mais mes amis, ça se soigne, on prend un petit temps. Alors, chère, chère dame, vous avez travaillé toute la journée. Vous êtes rentrée, vous êtes fatiguée. Vous avez mis vos rouleaux pour demain matin. Mais de temps en temps, il faut enlever les rouleaux, se faire belle pour le frère. Pas vrai De temps en temps, on va mettre une petite robe jolie. Et le frère a déjà compris, quand il a vu la petite robe, il sait déjà qu'est-ce qu'il y a après. Pas vrai, mon frère. On a déjà un petit, un petit signal là. Ouh, ce soir, ça sera joli. On est content. Vous comprenez, chers amis, parce que il y a un petit signal, il y a un petit geste, un petit quelque chose. Quand vous partez le matin, chers frères, vous êtes parti, mais avant de partir, prenez un petit bout de papier, même si c'est un petit bout de papier comme ça, vous déchirez, vous écrivez sur la, sur la, la petite feuille, chérie, je t'aime, bonne journée à ce soir. Et puis sa tête va tourner, mais à ce soir. Mais -ce, pourquoi il me dit à ce soir Qu'est-ce que ça veut dire à ce soir Et puis vous allez envoyer un petit SMS au travail. Vous avez maintenant WhatsApp. Envoyez quelque chose hein, avec un, un, petit, un petit cœur qu'on envoie. Ça s'entretient, chers amis, pas vrai Et, et on, on avance comme ça ensemble. On se donne la main, vous arrivez, une petite caresse, une petite tape, un petit bisou. Il faut entretenir la flamme. Alors, on a envie de se donner non à Alors, par exemple, samedi soir, mon cher frère, vous dites à, 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 à votre chérie, habille-toi, on sort. Oh, puis vous allez manger une pizza en quelque part. Pas vrai? On va acheter une petite classe, quelque chose pour entretenir la flamme. Et comme cela, on a envie de se donner l'un à l'autre. Chérie, habille-toi. Où est-ce qu'on va? T'inquiète pas. Parfois, vous n'avez dépensé que que 10 euros, ce n'est pas... On ne vous demande pas de pouvoir dépenser tout votre argent, mais de temps en temps, il faut entretenir la flamme. Vous savez que parfois, il y a des enfants qui n'ont jamais vu leurs enfants, leurs parents s'embrasser. Quand on fait la gueule, quand on est en colère, ils nous entendent. Donc parfois, il faut que les enfants voient papa et maman qui s'embrassent. Oh, papa qui embrasse maman, ils cachent les yeux, qu'est-ce que ça veut dire et mais ils sont quand même contents de savoir que papa est amoureux de maman. Et parce que papa est amoureux de maman, quand il sera grand, il fera comme papa. Il fera comme maman parce qu'ils ont vu que c'est important de pouvoir s'aimer. Et c'est une chose importante. Chers amis, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais mon, mon heure file. Alors, venons à notre thématique pour ce soir. C'est, nous avons dit pour ce soir, c'est quoi Vous vous rappelez L'amour. Au féminin. Donc nous allons ensemble échanger là-dessus et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun et chacun d'entre nous. on la tête ensemble et prions encore pour que Dieu nous accorde son temps. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Il y a tellement de choses que nous voudrions que tu nous dises. Le temps file, mais permet que chacun soit attentif et qu'il comprenne que tu as un plan. Merveilleux, que tu veux que nous soyons heureux, jeunes, adultes, mariés, pas mariés, que tu voudrais vraiment que sur cette terre, nous apprenions à nous aimer comme tu le veux. Viens toi-même parler à nos cœurs pendant les quelques minutes qui restent. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, comme nous l'avons dit hier soir, il y a une manière de vivre l'amour au masculin, mais il y a aussi une manière de vivre l'amour au féminin. Les hommes, on l'a dit hier soir, sont différents des femmes. Et c'est très bien comme ça. Nous sommes contents que les, les, les femmes ne sont pas comme nous. La femme, d'une manière générale, chers amis, et sous certains abords, a une sexualité, on dirait, plus complexe. Pas plus compliquée, chers messieurs, mais plus complexe. Et ça demande que, que l'homme, le mari, quand il est marié, soit intelligent. Le mariage, c'est une affaire pour des personnes intelligentes qui, qui réfléchissent, qui, qui se documentent, qui s'instruisent, et par conséquent, un homme, un mari, doit pouvoir se documenter pour savoir comment bien prendre soin de sa femme. Alors, si on prend ce temps d'avoir une bonne compréhension de son fonctionnement, de son couple, de la, de la manière dont ça mange, ceci va ouvrir la porte à une source de bonheur et de joie. Mais je crois, chers messieurs, qu'il nous faut savoir et utiliser la bonne clé. Si vous voulez ouvrir une porte et que vous essayez avec la mauvaise clé, est-ce que vous pourrez l'ouvrir Jamais. Et ce n'est pas en tapant sur la porte, en la cognant, qu'on va la faire s'ouvrir. Il y a une petite plante, je ne sais pas si je pense que vous l'avez ici en Guyane, une petite plante qui quand on la touche, elle se ferme. Vous avez déjà vu ça la femme, c'est comme ça, chers messieurs. Il faut être délicat. Et quand on la touche avec trop de grossièreté, elle se ferme. Et ça prend un petit temps pour s'ouvrir. Si vous continuez à appuyer dessus, est-ce que ça va s'ouvrir? Ça ne s'ouvre pas. Il faut prendre le temps. Et l'homme doit comprendre comment ça fonctionne, mais la femme doit elle aussi savoir comment elle-même fonctionne pour que les choses aillent dans les bonnes... De même manière. Alors voici quelques attentes que les, les psychologues nous proposent pour la femme ou chez la femme. Quelques attentes. Le premier besoin. Alors hier, nous avions dit que la première attente chez l'homme par rapport à sa femme, c'était quoi Je ne sais pas si vous vous rappelez. Première attente chez l'homme. Chez <laughs> Question à, à, à 10 euros. <laughs> Quelle est la première attente pour un homme chez sa femme c'est pas difficile, hein, frère, mes chers amis. C'est la sexualité. Aussi simple que ça. C'est la première attente chez l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est mal propre, qu'il a de mauvaises pensées. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Point, c'est tout. Donc, euh, voilà, il faut l'accepter comme il est. La femme, mon cher frère, ce n'est pas la même chose. Vous allez vous balader tout nu dans la maison, ça ne va peut-être pas, ça va rien lui la faire. Elle va plus se demander, mais pourquoi il marche comme ça tout le temps, tout nu dans la maison va t'habiller. Comprenez Ce n'est pas la même chose. Alors qu'un homme qui voit sa femme tout nue, il a déjà toutes sortes d'idées. Ce n'est pas la même chose, l'homme et la femme. La femme, chers frères et sœurs, chers amis, son premier besoin, c'est un besoin d'affection. Elle a besoin de se sentir chérie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle doudou. Elle a besoin de savoir qu'elle est appréciée, qu'elle est chérie, qu'elle est la... la Personne la plus importante dans votre vie. Et quand elle se sait chérie, c'est comme la plante, elle va s'ouvrir. C'est comme la fleur, elle va laisser partir son parfum parce qu'elle est dans un cadre où elle est choyée, elle est chérie. La première attente, c'est une attente d'affection. La deuxième attente, selon ce que déclarent encore ceux qui ont étudié en détail le fonctionnement de la femme, et ils disent que c'est une, une, une attente de conversation. La, la femme a besoin d'échanger, d'avoir quelqu'un avec qui elle va parler. Alors, ça, vous comprenez pourquoi, messieurs, parfois, elle, elle appelle sa copine et puis elle reste longtemps, longtemps au téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'échanger. Et parfois, nous, mari, on n'a pas, pas le temps, on n'a pas la disponibilité pour pouvoir par, parler avec elle. Parce qu'elle parle et puis elle dit la chose et puis elle le répète et puis elle le répète encore. Tu as déjà dit ça, chérie. Mais c'est comme ça qu'elle est. Elle a besoin de dire. Elle a besoin de, et elle n'a pas besoin pour que vous puissiez tellement avoir une réponse, mais elle veut échanger. Et elle a besoin d'avoir avec quelqu'un avec qui elle cause. Quand on est fiancé, on a ce temps. Parce qu'on est en train de faire la cour. Alors, elle va parler, elle va dire, on va passer du temps sur le téléphone. Maintenant, maintenant vous avez hein, les, les possibilités de pouvoir. On a un forfait illimité, et puis on parle. SMS et puis on vient de partir hein, on vient de la déposer chez sa maman, on arrive, on est déjà sur SMS. Et puis pendant qu'on est couché, là on va passer maintenant sur WhatsApp ou bien sur euh, euh, Facebook ou bien sur Instagram ou bien sur Twitter, parce qu'on veut échanger avec elle, c'est quand on est fiancé. Et puis maintenant quand on est marié, mais si on a un peu moins de temps. Or elle a besoin de ce temps. Ah, c'est donc le deuxième besoin, la deuxième attente de la femme, c'est ce besoin de conversation, d'échange avec son, son partenaire, son mari ou celui qui vit avec elle. Troisièmement, la femme a besoin d'honnêteté et d'ouverture. De, de quelqu'un qui est à côté d'elle, qui est transparent, qui, qui est honnête, qui est vrai, qui est vraiment l'homme sur qui elle peut compter. Pas quelqu'un qui... qui qui est dissimulé, qui se cache, qui, qui a des secrets, il a une femme par là, une femme par là. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin véritablement d'honnêteté, d'ouverture, quelqu'un sur qui elle peut compter, sur qui elle peut s'appuyer pour avancer dans la vie. Et puis, quatrièmement, la femme a besoin d'un soutien financier. Alors, c'est vrai que, que les, les, les femmes beaucoup travaillent maintenant. Mais elle a besoin de savoir que son mari est là, qu'il s'occupe d'elle, qu'il est impliqué. On n'a pas besoin d'un fainéant qui est à la maison, qui ne fait rien, qui ne fait que manger devant la télévision, regarde toute la journée. Non, elle a besoin de quelqu'un qui, qui va s'impliquer, qui va prendre soin d'elle. Même si elle travaille, mais elle sait que mon mari prend soin de moi. Je peux compter sur lui. Et finalement, le, le cinquième élément que je pourrais proposer pour ce soir, c'est que la femme a besoin de, de quelqu'un qui s'engage dans le foyer. Et hélas, trop souvent, nous avons été des maris absents. Nous sommes là sans être là. Et parfois, elle doit nous dire pendant trois fois, quatre fois Chérie, l'évier coule. Il faut que tu puisses réparer ceci. La chasse ne fonctionne pas bien. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Mais je suis à toutes sortes de choses. Elle a besoin de savoir que nous sommes engagés dans la maison et qu'on va s'impliquer dans le foyer de manière systématique parce que c'est aussi chez nous. On doit pouvoir faire notre contribution. Elle en a besoin de manière générale. Voici donc les cinq principales attentes que la femme a besoin. Mais comprenons une chose, chers amis. La femme, dans son fonctionnement, sa manière d'être, n'est pas quelqu'un d'anormal. Cette différenciation sexuelle, nous l'avons dit, c'est une invention divine. Si elle est cyclique dans sa manière de fonctionner, ce n'est pas qu'elle est anormale, c'est parce que Dieu l'a créée comme ça, justement pour que nous puissions nous marier, la, la protéger, la, la, la sécuriser afin qu'elle puisse fonctionner. Ce n'est pas un, un problème par rapport à l'évolution de l'humanité, comme certains veulent le faire. Quoi C'est le plan de Dieu avec la différence entre l'homme et la femme. Quand une femme est heureuse, ça se voit. Pas vrai quand une femme est heureuse, ça se sait. Pas vrai, chers amis Et quand une femme est heureuse, toute sa maison est heureuse. Et c'est ça que nous voulons. Que cette semaine, les femmes, quelles qu'elles soient, apprennent qu'avec Dieu, on peut être heureux. Le, le texte, on l'a dit pendant la semaine, quand Dieu bénit, il bénit. Il d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Alors, quand je suis heureux, tous ceux qui sont à côté de moi sont aussi heureux parce que Dieu me remplit. Et quand je suis rempli, mon mari est rempli, mes enfants sont remplis, ma voisine est remplie, le chat est content, le chien est content. Parce que moi, je suis content. Mais quand je suis mal, ben ben je suis aigri, je ne suis pas bien, en... laisse-moi tranquille, papa, les bâmes, moi, je m'en fâche et puis on est mal. Et Dieu voudrait, chers amis, que, que nous soyons des personnes qui apprenons à être heureux par la grâce du Seigneur. Alors, si hier soir, je présentais le rôle de, de, de l'homme comme étant le gardien, sacrificateur, le responsable spirituel de son foyer, chères dames, Dieu a pour vous un rôle et une mission spécifique. Je voudrais que vous écoutiez avec attention les quelques minutes qui vont suivre. Chères dames, vous avez, vous avez une capacité énorme. En fait, vous avez été façonné, préparé, on dirait en termes d'informatique, formaté, pour pouvoir affecter le monde entier. Et un privilège que vous avez qui est unique. Quand une femme enfante, elle garde l'enfant généralement dans son sein pendant combien de temps? Pendant neuf mois. Ces neuf mois sont des, sont des mois privilégiés où elle va transmettre à cet enfant une foule d'informations. Par le biais de, du liquide placentaire, par le biais de tout ce, ce cordon ombilical, la femme va transmettre beaucoup, beaucoup d'informations à cet enfant. En plus, quand l'enfant sera né, il y a une proximité particulière entre l'enfant. Et sa maman. Jusqu'à nouvel ordre, un homme ne peut pas donner le sein à son enfant, pas vrai? On va donner le biberon, mais pas le sein. Il y a une proximité que que, que l'enfant a avec sa mère. Et chers chers dames, pendant ces ces années privilégiées, écoutez bien ceci. Vous allez formater cette personne l'éternité. C'est un privilège que Dieu vous a accordé. Et vous comprenez que il nous faut apprendre à valoriser ce rôle et cette mission que Dieu vous donne. Alors, j'ai laissé mon téléphone sans, sans le mettre sur vibreur. Alors, on fait ça en direct. Je vais le mettre sur vibreur. Mes excuses. Voilà, c'est fait. Je disais, chère, chère dame, que... Il est important que nous apprenions que, que vous avez un rôle particulier. Et selon la manière dont vous allez vivre cette période, cette mission que Dieu vous donne, le monde sera différent. Je pose une question. À part Jésus, qui est-ce qui est né de manière miraculeuse sur cette terre A-t-il une personne Adam. Yes, thank you. Donc, on voit au moins ces deux personnes. Tous ici, nous sommes passés dans le ventre d'une maman, pas vrai Sans exception, hommes et femmes. Cette période a affecté la personne que nous sommes. Selon, chers hommes, que vous aurez une grossesse paisible, une grossesse heureuse, votre enfant sera différent, pas vrai Selon que vous, a, vous auriez eu une grossesse qui soit une grossesse sous la tension, que vous soyez dans une situation de violence personnelle ou autour de vous, cet enfant-là sera affecté. Si pour vous, l'enfant que vous portez dans votre sein n'est pas le bienvenu, l'enfant le sait. On ne lui a pas dit, mais l'enfant sait qu'il n'est pas désiré. Parce que la maman n'avait pas voulu être enceinte, elle en avait déjà deux, celui-là, c'est un accident, parfois, elles disent alors... L'enfant naît, mais euh, vraiment, chaque fois qu'elle le voit, elle le secoue la tête. Elle se dit, pff, encore un autre enfant, encore un. Il y a même une maman, vous savez, elle en avait tellement eu, elle a appelé son fils J'ai Vous imaginez la chose Parce qu'elle en avait déjà eu assez. Et cet enfant-là ne se sentait pas aimé. Chers amis, tous les meurtriers, qui sont en prison, ont eu une maman, vrai ou faux. Et comprenez bien que la manière dont on va gérer le formatage de cet enfant commence par vous. Les femmes, si elles comprennent la force de ce privilège qu'elles ont, peuvent changer la nation tout entière. Et vous comprenez, chers amis, combien votre rôle est important de pouvoir véritablement saisir ce privilège unique que vous avez de procréer avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose de superflu quand Dieu vous a confié à vous le bonheur de porter un enfant dans votre sein. Il faut donc préparer cette démarche et la vivre avec le sens de la responsabilité que Dieu vous a donné. Bien sûr, le mari va, va accompagner avec vous le processus. Mais un papa ne sera jamais une maman. Et il ne pourra jamais transmettre ce genre d'information à sa maman. Vous savez que parfois, certaines personnes vont grandir, vont vieillir. Mais quand ils ont mal, quand ils sont en difficulté, qui est-ce qu'ils appellent Ces mamans. Je me rappelle avoir, avoir eu accompagné un frère, 80 ans et plus. Et qu'est-ce que le frère dit quand il pleure Maman, voyez combien c'est important Le rôle de la mère. Et chère sœur, vous avez un rôle important, en particulier sur le formatage des jeunes garçons que nous avons. Vous devez faire en sorte que ces jeunes gens comprennent. Qui ils sont et quel rôle ils doivent jouer. Bien sûr, le père doit faire sa part pour qu'après qu'il soit identifié à son papa, à l'homme, mais la maman doit elle aussi transmettre l'information. Et ces jeunes garçons doivent être formatés, élevés avec le sens important de la responsabilité que Dieu veut leur confier. Et cette mission, ce travail en particulier, commence par la maman. Deuxième chose, chers amis, par rapport à votre fonctionnement. Dieu donne aux femmes ce que j'appelle une disposition naturelle pour influencer les individus et affecter le cours des événements. Une femme peut parler à son mari. Pas vrai, mes sœurs? Elle peut influencer les choix qu'il va prendre. Alors, parfois, mes sœurs, vous allez tellement parler dans l'oreille du frère. Qu'il qu sera exaspéré. Vous savez faire, pas vrai? Mais vous pouvez aussi, vous savez comment il fonctionne, vous connaissez ses points faibles et ses points forts. Et une femme, quand elle veut, elle sait comment prendre un homme. Je pense à, 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 à cette femme qui a su gagner le cœur de Samson. Vous vous rappelez de cette femme? Comment elle s'appelait? Dalila. Et elle a trouvé, elle a cherché tous les éléments qu'il fallait, tous les, tous les approches jusqu'à ce que finalement, Samson se livre à elle, lui donne son secret. Mes chères dames, vous avez cette faculté de pouvoir influencer vos maris, vos fils, vos garçons, vos filles aussi, bien sûr, vos, vos neveux, vos, vos pères, vos frères, et si les femmes je dis bien, saisissez l'importance de leur capacité. Elles pourraient changer le monde. Imaginons un jour que toutes les femmes de la terre fassent grève. On va pas loin comme ça. Alors, je ne pas manger seulement la terre s'arrête. Vous avez une, une puissance, chère dames si les dames disent on fait grève, on ne fait plus rien. La terre s'arrête de fonctionner. Vous avez ce pouvoir de pouvoir arrêter des situations, la violence peut être arrêtée grâce à l'action d'une maman, grâce à l'action d'une épouse, grâce à l'action d'une sœur. Vous avez cette capacité, ce, ce raisonnement, cette voix que vous avez. Va va arriver à raisonner à un autre niveau dans l'oreille du mari un homme qui va lui parler directement en plus chères dames Dieu vous donne une, une capacité de résistance qui est hors du commun on parle de, de résilience on parle de force physique alors on dit la femme potomitante pas vrai vous avez déjà entendu celle là on dit que la femme s'est rebondie d'ailleurs il paraît que la femme a, a un, un seuil de résistance à la souffrance plus important que l'homme. J'espère que c'est vrai ici, parce qu'en Martinique, c'est comme ça. Nous sommes parfois même hommes plus frileux que la femme. J'ai vu, euh, quand je travaillais à l'hôpital, j'ai vu des hommes tomber dans les pommes quand on a pris l'aiguille la, pour pouvoir les piquer. Ouh, boum, ils tombent dans les pommes. On a vu un autre qui allait, allait pour assister au mariage, de, à, à l'accouchement de sa femme. Et pendant que les médecins s'affairent, on se rend compte que le papa est déjà tombé dans les pommes à côté. Parce que bon, la vue du sang et tout ça, il ne peut pas résister. Nous sommes parfois, hélas, plus fragiles dans ce domaine. Alors c'est vrai que nous sommes forts, costauds, mais la femme a une capacité de résistance, de résilience parfois, plus, plus importante que l'homme. En résumé, chers sœurs, je, je dis que euh, vous êtes la matrice d'un changement et d'une réconciliation solide et durable. Cette société va changer quand les femmes, entre autres, prendront conscience de l'importance de leur mission. Par exemple, chers amis, généralement, c'est la femme qui gère le poste repas dans la maison. Généralement, ça arrive que certains messieurs s'en occupent, mais généralement, ce sont les mamans qui s'en occupent. On a observé depuis quelque temps, en France et ailleurs, que la population prend du poids, prenant le bon point. Pas vrai? Mais si les dames, les mamans, décident de pouvoir revoir la manière dont nous mangeons, dont nous, dont nous nous alimentons, elles vont affecter la santé générale de toute la population. Chères dames, vous avez un pouvoir. Et Dieu voudrait que vous compreniez l'importance de ce pouvoir. Mais heureusement, elle n'est pas seule. Elle a à côté d'elle un homme. Je rappelle rapidement ce que nous disions hier soir pour, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. L'homme a un rôle, il a une mission de pouvoir être auprès de sa femme dans le processus de développement. Et, et il est celui qui a la responsabilité de pouvoir euh, mettre en place la nouvelle entité familiale. On le disait dans Genèse 2, verset 24. Et même après la désobéissance, l'Éternel lui avait donné, renouvelé cette mission d'être le garant, d'être le responsable de son foyer de manière particulière. Je voulais terminer ce soir avec deux textes, frères et sœurs. Le premier texte, il est tiré d'Ephésiens chapitre 5, verset 22. 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Voilà ce qu'il disait, nous le disions hier soir, et qu'il dit au mari, au Marie, Marie qu'est-ce qu'il faut faire Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et au verset 26, l'apôtre continue en disant afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. De. Donc il y a une analogie entre le rôle de Jésus et le rôle du mari. Comment il doit faire, mes chers amis, mes chères femmes en particulier, pour que Marie puisse exercer son rôle de sacerdoce, son rôle de sacrificateur, son rôle de chef spirituel, il faut que celle qui est à côté de lui accepte le rôle que Dieu le lui a donné. Et aujourd'hui, la société nous pousse à croire qu'elle n'a pas besoin d'accepter le rôle de son mari. Et beaucoup de personnes sont mal à l'aise quand le texte dit à la femme écoute ton mari c'est ton chef mais comprenons bien qu'est-ce que dit le texte c'est son chef spirituel il a un rôle spirituel c'est pas pour dominer sur elle mais c'est pour mettre un cadre et voilà pourquoi l'apôtre pour Paul disait dans Ephésiens chapitre 5 verset 22 les versets qui sont avant celui qu'il avait donné à, à, à la femme il disait à la femme dans ce contexte là Soyez comment soumise à vos maris comme comme quoi comme au seigneur et on comprend bien chers amis que il faut comprendre dans quel sens l'apôtre Paul parle le mot chef ici est, est, est le mot qui désigne dans, dans le grec pour ceux qui l'ont étudié le mot kephalé le kephalé c'est en quelque sorte la protection vous avez en Guyane une pratique où vous, où vous allez mettre un carbet le, le kephalé c'est un carbet où on est à l'abri pas vrai quand on est sous le carbet c'est ça que Dieu voudrait que le mari il dit femme car le mari est le chef de la femme car le mari est le kephalé de la femme car le mari est le carbet de la femme Quelle femme irait se mettre sous le soleil alors qu'elle a un carbet pour se protéger? Est-ce qu'elle n'est pas intelligente? Quelle femme irait se mettre sous la pluie alors qu'elle a un carbet pour la protéger? Quand un homme joue son rôle de chef spirituel, de carbet, de protecteur, cette femme est heureuse. Alors il dit à la femme, mets-toi à l'ombre de ton carbet, mets-toi à l'ombre de ton chef, de ton chef spirituel. Et il dit donc à la femme, Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Chers amis, vous imaginez, l'analogie est forte. Nous sommes, femmes, hommes, le même corps, puisque nous avons dit, ils, les deux forment une seule chair. Mais il dit, non seulement, ils sont un seul corps, Christ et l'église ont fait un, mais il dit, Christ est le sauveur. De Comme le mari devrait être dans le sens spirituel, celui qui amène la femme au Sauveur, il est donc pour elle celui qui la conduit au Sauveur. Un rôle important. Mais aujourd'hui, chers amis, il y a une rébellion par rapport au plan de Dieu. Les hommes, les femmes ne veulent plus fonctionner selon le modèle biblique. Et on veut fonctionner de manière moderne. Il y a un de mes professeurs qui disait, chers amis, il n'est pas possible de monter à cheval à deux et d'être tous les deux devant ou de tenir les rênes. Il faut qu'il y ait une personne qui est devant et une personne qui est derrière. Et dans le mariage, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui en ait la responsabilité spirituelle. Et quand le Seigneur reviendra, il demandera au mari, où est ta famille où est ton foyer? Où est ce, et ce, ceux que je t'avais confié Mais pour que nous puissions avancer ensemble, il nous faut nous mettre d'accord. Chers amis, les grands drames que nous vivons dans nos foyers aujourd'hui, en Guyane, en France, à la Martinique, à la Guadeloupe ou ailleurs, c'est parce que très souvent, nous avons voulu rejeter le modèle biblique. Et parfois, les femmes modernes, les femmes du 21e siècle, n'aiment pas entendre cette idée que le mari est le chef. Chères femmes chrétiennes, vous avez un pouvoir, vous avez une force, une puissance qui est inimaginable, seulement si vous compreniez comment jouer ce rôle à côté de votre mari, cette capacité d'influence en mettant ce mari à sa place comme étant le chef spirituel. Voici le verset avec lequel je veux terminer pour nous ce soir, chers amis. Et dans ce verset, l'apôtre va nous rappeler le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le verset, il est tiré de, de l'Épître de, de Jean, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Voilà ce qu'il nous dit. Vous connaissez ce texte, j'en suis sûr. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mes chers amis, ce que Dieu veut, c'est que tout personne ici ce soir soit en bonne santé, qu'elle soit heureuse, santé spirituelle, mais aussi santé émotionnelle, santé affective, que le mari joue son rôle auprès de sa femme, que la femme joue son rôle auprès de son mari, que les parents jouent leur rôle auprès de leurs enfants. Alors, comme dit le texte, nous serons en bonne santé dans tous les domaines, santé spirituelle santé affective, santé financière, que nous soyons véritablement des hommes et des femmes épanouis, rayonnants. Alors, ceux qui nous verront pourront dire, mais ils ont un secret. Ils ont quelque chose que, que j'aimerais avoir. Comment ils font pour être aussi heureux que ça? Et alors, nous leur dirons, chers amis, le secret que nous avons, il est en Jésus. C'est Jésus qui nous a montré notre manière de vivre, qui nous a montré comment marcher, comment apprendre à nous aimer, comment apprendre à nous pardonner. Jésus nous apprend à être de vrais hommes, des hommes respectueux, des hommes courageux, des hommes qui, qui ont un plan pour leur famille, de vrais hommes. Mais Dieu nous apprend aussi, chers soeurs, à être de vraies femmes, rayonnantes, ingénieuses, femmes intelligentes, femmes brillantes à côté de leur mari. Et alors nous serons un peuple qui a du succès, un peuple qui avance avec, avec force, avec joie, parce que l'Éternel nous aura montré la foi et nous aurions accepté de marcher avec lui. Quels sont ceux qui ce soient? Voudraient, chers amis, vraiment que leur foyer soit un foyer heureux, un foyer épanoui, un foyer où la joie règne. Laissez-moi voir les mains de ceux qui le voudraient. Tout le monde ici, pas vrai? Et c'est possible, chers amis. Vendredi soir, nous allons réfléchir ensemble sur la, la conférence qui a pour titre Être heureux ensemble, est-ce possible Je vous invite à faire des plans pour être là. Venez en grand nombre. Ce sera le début du week-end on aura passé une semaine ceux qui sont à l'école auront fini la scolarité ceux qui travaillent vont entrer dans le sabbat. Venez en grand nombre nous allons vivre un moment de bonheur ensemble vendredi soir pour découvrir. La réponse à cette question, est-il vraiment possible d'être heureux ensemble? Et puis samedi matin, nous, allons, nous voulons finir en apothéose. Découvrir le chemin vers le ciel pour un bonheur infini. Si on peut être heureux sur cette terre, chers amis, au ciel, ce sera difficile à décrire. Ce sera vraiment le bonheur parfait. Découvrons ensemble ces deux étapes. Vendredi soir et samedi matin, par la grâce du Seigneur, et bien sûr, nous aurons notre moment de partage avec les questions et notre engagement que nous ferons ensemble samedi après-midi avant de nous terminer, avant partir. Maintenant, nous voulons prier afin que Dieu vous accorde sa grâce et son pardon. Tous ceux qui voudraient que nous puissions prier ensemble, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous accorder sa bénédiction, de nous accompagner chacun à la maison, de faire en sorte que cette bénédiction soit valable pour chacun et chacune d'entre nous selon sa volonté. Baissons la tête ensemble. Et prions notre Dieu. Père céleste, tu veux que les hommes et les femmes soient heureuses. Tu as, tu as un plan que tu as préparé pour chacun. Tu as prévu le développement des uns et des autres, que chacun a sa place. L'homme a sa place en tant que, que en tant que chef spirituel, la femme en tant que celle qui va encourager le développement, qui va booster tout le monde vers ce, ce, ce chemin que tu as préparé. Bénis chaque personne ici ce soir. Celles qui sont mariées comme celles qui ne sont pas mariées. Ceux qui sont mariés comme ceux qui ne sont pas mariés. Bénis Seigneur chacun et donne-nous de faire l'expérience de marcher avec toi, de vérifier que le plan de Dieu, ça marche si nous voulons simplement... Apprendre à te faire confiance. Alors que nous rentrons à la maison, veuille nous accompagner avec ta protection divine. Et ramène-nous selon ta volonté ensemble ici, vendredi soir, où nous pourrons encore nous réjouir de ce que tu as en réserve pour ton peuple et tes enfants. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.